Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une review American Horror Story Coven avec la poupée Integrity Toys de Zoe Benson. Donc voici la boîte. On retrouve le logo American Horror Story Coven, le portrait de Zoe, de Official Collective Doll Series, Zoe Benson. Alors sur le côté, la suite de son portrait. À l'arrière, on a du texte en anglais, une affiche promo de la saison 3 et une photo de Zoe. Alors, on ouvre la boîte de cette manière. Voilà, donc ça se présente ainsi. Alors ici, nous avons son chapeau bien protégé. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est comme des petits clous. Donc c'est peut-être pour fixer le chapeau, je sais pas, je vais voir ça par la suite. Alors ici, on a une petite boîte secrète avec les accessoires à l'intérieur, comme les autres poupées que je vous ai faites en review. Alors, regardons ce qu'il y a dans la boîte. Normalement, c'est les accessoires, les mains supplémentaires, les chaussures. Alors, on a deux mains supplémentaires. On a les bijoux. Donc, ça doit être les boucles d'oreilles. Et une bague, carrément, je crois. C'est sympa. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être des petits bas, des petites chaussettes. Je vais voir ça. Et les chaussures. Et la poupée, donc bien protégée. Elle a même un filet pour les cheveux. Alors, je vais vous retirer ça rapidement. On a la base du socle à l'arrière. Alors voici tous les éléments que composait la boîte. Alors la base du socle, la tige. On a deux façons pour le socle, donc la maintenir au niveau des aisselles ou de l'entrejambe. On a son chapeau, on a ses bijoux, on a des mains supplémentaires. Là c'est des petits bas et là c'est les chaussures. Alors les chaussures sont très bien faites à talons. Ah bah c'est des petites chaussettes, des soquettes. Donc ça, ça doit être... Ouais, c'est facile à mettre. Hop, voilà. Bon, c'est mignon. Ah, et avant de vous mettre ça, regardez, on a du vernis sur les ongles, c'est trop bien fait. Donc voilà ce que ça donne. Et les chaussures, on va lui mettre. Alors, je vous montre les chaussures mises. Alors, j'ai mis du temps, c'est très étroit. Surtout au niveau du talon pour le rentrer à l'intérieur. Voilà, mais sinon, elles sont très belles. Comme vous pouvez le voir, je les adore. Alors, normalement, nous avons des boucles d'oreilles. Alors, pour les mettre, j'espère que ça sera pas trop dur. Les voici. Alors, on va essayer de les mettre. Waouh. Alors, c'est assez dur pour les enfoncer. Il faut servir de la paume des mains. Alors, moi, j'ai fait avec ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, je profite pour montrer son visage. Alors, je trouve qu'il ressemble pas du tout à l'actrice par rapport aux deux autres que j'avais faites en review. Franchement, les deux autres, hein, le moule et tout, ça ressemble énormément aux acteurs. Mais elle, je trouve que Zoé, non. Elle a un visage complètement différent. Bon, elle reste très très belle, hein, quand même. J'aime beaucoup les petits cils. Alors, vous les voyez, là, ils sont très très bien. Voilà. Bon, sinon, elle est bien, elle est... Les cheveux sont de bonne qualité aussi, je trouve. Alors pour le chapeau, hop. Voilà ce que ça donne. Là, c'est sympa comme tout avec le chapeau. Sa chemise. Voilà, regardez, ça se tire comme ça. Voilà. Alors sa jupe est doublée. Voilà. Les petites mains articulées, articulations au niveau des coudes, des épaules, au niveau des cuisses, des genoux. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Alors on va regarder maintenant la suite des accessoires. Alors ça, il me semble que c'est une bague. Ah, c'est vraiment un petit minutieux. Oh, donc là c'est flou du coup, mais c'est minutieux hein, quand même. Bon, ça rentre ou pas? Voilà. Sympa. Sympa comme tout. Donc il reste les mains supplémentaires que je vais pas retirer, mais regardez, on a du vernis. Alors je suis un peu déçu hein, de son visage, honnêtement. Les vêtements, on a vraiment une fidélité par rapport à la série. Je sais pas pourquoi le visage ne ressemble pas, malheureusement. En espérant que ça soit la seule qui ne ressemble pas du tout. Après, voilà, ça fait une belle poupée quand même, je trouve, pour la collection.
Alors, quel est votre préféré hein, parmi les trois, vous qui regardez, si vous regardez la série? Pour moi, je dirais Marie quand même. Je trouve que c'est la plus ressemblante pour l'instant. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos. Je vous retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos American Horror Story. Merci d'avoir regardé. Salut!